Bonjour les Reborn, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. En tout cas, moi, je suis pas du tout content à cause de cette nouvelle-là. Horrible. L'acteur Samuel Obiago serait mort. C'est l'information que j'ai reçue. On dit que ce célèbre acteur-là serait décédé. On dit qu'il était malade pendant plusieurs mois. Et c'est le 22, c'est-à-dire hier 22, là. C'est là que un malaise l'a pris. C'est là qu'il serait décédé, quoi. Seigneur Jésus. Vraiment, je ne comprends pas la vie. Je ne comprends vraiment pas la vie. Comment l'homme peut-il mourir juste comme ça? C'est un monsieur qui est très fort dans le cinéma. Très, très fort. C'est un bon acteur, comme on a l'habitude de le dire. C'est pas pour dire que je ne le connaissais pas. Je le connaissais bien même. Je regardais ses films. Oh, c'est terrible. C'est vraiment terrible cette nouvelle. Je vais vous montrer quelques photos de lui. Déjà, si vous le reconnaissez, dites-moi un peu plus sur lui aussi. Dites-moi comment vous l'avez connu. Voilà. C'est un acteur qui a fait, c'est un monsieur qui a fait plusieurs films. Plusieurs films. Et dans la plupart de ses films, il était comme chef ou venant. Comme un roi. Et voilà. Il a tourné des films avec beaucoup d'acteurs et beaucoup d'actrices, comme vous le voyez. Ici, on a Destiny Etiko. Destiny Etiko. Une jeune actrice du Nigeria aussi. Et comme vous pouvez le voir, c'est une personne qui s'entend bien avec tout le monde. C'est une personne qui n'a pas de problème, à ma connaissance. Voilà une autre actrice qui est ici. Cette femme, je ne connais pas bien son nom, mais de visage, je la reconnais très bien. Je connais ses œuvres. Et le monsieur est ici. Toujours avec la couronne de chef sur sa tête. C'est un aîné dans l'industrie du cinéma au Nigeria. Cette industrie qu'on appelle Nollywood. C'est un aîné. Il fait partie des précurseurs de ceux-là même qui ont lancé cette industrie. Quand on veut passer un moment, on la regarde, ils font rire. Et voilà quoi. Mais je ne savais pas que. Je ne savais pas, je ne savais pas que l'on pouvait partir juste comme ça. Quel âge vous lui donnez? Selon vous, quel âge avait-il? Quel âge avait-il? Quel âge avait-il? Ah, Seigneur. Tentais de rire dans la vidéo précédente. Tout allait bien. Et regardez ce que je viens de trouver. Comment la vie est bizarre? La vue est devenue trop bizarre. Ici, il est avec une autre actrice, cette femme qui est là. Oui, je ne sais pas comment elle s'appelle aussi, hein, mais je connais ses œuvres. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais je connais ses œuvres. Vous voyez pourquoi dans la vie, il faut avoir de bonnes œuvres. Vous voyez pourquoi dans la vie, hein, il faut poser de bonnes actions. Les gens ne connaissent pas votre nom, mais ils connaissent vos œuvres. Est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce que vous vous en rendez compte? Seigneur Jésus. Vous voyez encore? Waouh. Je l'ai connu juste, on va dire, cette année. Hein. Ou soit depuis l'année dernière.
C'est un bon acteur, c'est un homme tranquille. J'aime bien la manière dont il se comporte dans les films, tranquille. Ce sont des gens, les années, voilà. Souvent, ils font la comédie. On en rigole juste pour passer du temps. Mais regardez, je viens d'apprendre que le monsieur est parti. Je viens d'apprendre que le monsieur est parti. Quand j'ai appris la nouvelle, je me suis dit, donc nous sommes de passage vraiment sur la terre. Nous sommes donc vraiment de passage sur la terre. Ou bien, comment le dire encore pour que vous compreniez mieux? Nous sommes donc de passage sur la terre. J'ai dit, ah, donc nous sommes vraiment de passage sur la terre. Attends, je dis non. Je réponds, je dis, donc, je dis, attends, donc nous sommes vraiment de passage sur la terre. Hein? C'est ce que j'ai dit. Il dit, mais attends, donc nous sommes vraiment de passage sur la terre. Ça, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Hein. C'est-à-dire, quand j'ai entendu la nouvelle, ça m'a tellement choqué. J'étais en train de manger. J'ai arrêté de manger. J'ai laissé tout. Et j'ai dit, ah, pourquoi lui? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, ah, pourquoi lui? Vous voyez que l'amour ne tue pas. Hein. Ça frappe tout le monde. Hein. Parfois, quand ça touche certaines personnes importantes, on se dit, ah, pourquoi lui? Pourquoi lui? Tout le monde semble sauf lui. Ce genre de paroles, normalement, nous ne devons pas les dire hein, parce que nous sommes pareils, nous sommes tous pareils. Il n'y a pas de différence. Qu'une personne soit importante pour une famille ou qu'une personne ne soit pas si importante que ça ne change rien en réalité. Devant Dieu, nous sommes tous pareils. La mort, c'est la mort. La mort, c'est pour tout le monde. Mes condoléances à sa famille. Mes condoléances à ses amis. Je suis vraiment touché. Je suis vraiment touché. C'est comme vous avez un ami à côté de vous, que vous voyez tout le temps, et puis vous apprenez pas où qu'il est mort. Regardez par exemple moi, Agnès Obouane, vous me voyez tous les jours, pratiquement tous les jours. Je cause avec vous, on fait les vidéos, vous laissez vos commentaires, vous laissez des j'aime. Et un bon matin, boum, vous ne voyez plus mes nouvelles. Forcément, vous allez chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il a. Même quand je vais ressurgir encore pour vous parler, vous allez dire, mais ah, mon ami, tu étais où? Tu nous as manqué, hein? Tu étais où? Vraiment, c'est triste. Nous sommes juste en décembre. Ce décembre-ci, c'est un décembre terrible. C'est mitigé. C'est mélangé. On n'arrive pas à comprendre. Il faut vraiment prier. Et après ce matin, que deux camions d'une ville ont eu un accident. Ces deux camions allaient directement dans cette ville-là, quoi. Et ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire quoi? Genre, vous savez, en période de fête, les gens quittent que les gens quittent certains pays pour aller dans leur ville natale pour essayer de passer les fêtes avec leur famille, quoi. Et ce sont ces véhicules, deux de ces véhicules, deux de ces cars-là qui ont eu accident. Il y a eu des morts. On dit que s'il reste quelques blessés, c'est que ce sont les gens qu'on n'a pas coupés, les pieds coupés. Jésus, j'étais même choqué. Ça veut dire que toutes ces familles-là, au lieu de passer la fête, ces familles vont passer le temps à pleurer et à préparer les enterrements des gens. C'est pourquoi j'ai profité de cette belle opportunité pour vous dire encore, mes frères et sœurs, à cette période de fête, soyez vigilants. Soyez vigilants dans ce que vous buvez. Soyez vigilants dans ce que vous mangez. Soyez vigilants dans tout ce que vous faites. Dans tout ce que vous faites, soyez très vigilants. Et priez beaucoup. Que Dieu vous donne la force. Priez beaucoup. Que Dieu vous garde.
J'ai été beaucoup attaqué ces temps-ci. Je vous assure. Même aujourd'hui, même, j'ai été attaqué. Mes frères et sœurs, soyez très prudents. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Soyez vraiment aussi très prudents. Vraiment, je vous aime, mes frères et sœurs. J'aimerais que Dieu nous permette de passer de bons temps ensemble, de bons moments. Mais n'oubliez surtout pas que nous sommes des passages sur la terre. Nous sommes vraiment des passages sur la terre. Et étant vivant sur la terre, poser de bonnes actions, de laisser de bonnes œuvres. Parce que même si nous ne connaissons pas votre nom, nous allons connaître vos œuvres. Vos œuvres vont parler pour vous. Votre nom sera attribué en fonction de vos œuvres. Je vous assure. Vraiment, que dois-je dire encore? Je suis choqué. Je suis vraiment choqué, hein, honnêtement. Quand j'ai donné cette nouvelle, même que c'est une personne même proche de moi. Bon, je peux dire que c'est une personne proche de moi. Puisque tout le temps je regarde ces films, puisque tout le temps je regarde ces vidéos, c'est là que j'ai compris que vraiment, même les vidéos des gens qu'on regarde, même si c'est à la télévision ou bien sur Internet, sur YouTube, on se lit, c'est-à-dire, plus on regarde ces vidéos, plus on regarde les vidéos de ces personnes, plus un lien se crée entre nous. Vous aimez le caractère de la personne vous fait beaucoup rire, tout le temps vous voyez la personne. Le jour où la personne ne sera pas là, c'est comme si vous avez perdu quelque chose. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être même né d'un même père ou né d'une même mère afin d'avoir un lien très fort. Je suis vraiment choqué. Souhaitez-moi aussi la condoléance parce que c'est comme moi aussi. C'est comme si je venais de perdre quelqu'un. Souhaitez-moi la condoléance. Que Dieu ait sa main sur votre famille. Que Dieu ait sa main sur nos familles. Que Dieu veille sur nos maisons. Qu'il éloigne quand même le malheur de nos maisons. Qu'il permette qu'on rentre dans la nouvelle année tranquille. Et qu'il permette qu'on passe la nouvelle année en découvrant de bonnes choses. Mais n'oubliez pas, mes frères et sœurs, encore une fois, que nous sommes de passage sur la terre. Posez de bonnes actions. Apprenez à faire le bien. Corrigez vos erreurs. Réconciliez-vous avec la bonne personne que vous avez offensée. Demandez leur pardon. Sincèrement. Sincèrement. Parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Rendez-vous prochain vidéo. Restez connectés. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche.